C'est une information à prendre avec la plus grande prudence. Dans une vidéo récemment publiée et qui nous a été envoyée par un abonné, une lanceuse d'alerte informe que plusieurs étudiants ayant manifesté contre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso sont en train de mourir dans des conditions troubles, non élucidées. Bonjour à tous, donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noël, je suis une fervente activiste des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Donc je fais cette petite vidéo pour dénoncer la situation des étudiants congolais en Russie. En effet, depuis plusieurs années, il y a de nombreux étudiants qui sont morts de façon suspecte, qui ont voulu dénoncer le fait qu'ils ne recevaient plus la bourse depuis au moins 4 ans. Et le problème, c'est que leur identité a été dévoilée jusqu'au Congo-Brazzaville et ça n'a pas été médiatisé. Donc je compte sur vous pour relayer cette petite vidéo, pour en parler autour de vous. Et le plus important, c'est que justice leur soit rendue. Selon certains témoignages que nous avons pu recueillir ici et là, certains affirment que l'actuel ambassadeur du régime congolais à Moscou serait impliqué dans ce qui s'apparente à un crime de lèse-majesté. C'est une affaire que nous suivrons de près. Nous n'hésiterons pas de vous fournir plus d'informations une fois que nous nous rapprochons de cette lanceuse d'alerte. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon ?